Good morning, allez, Yidan et Jusra aujourd'hui, les Ilou Nishmat, Nissim Ben Ahouda, Sarah Batran Rachel, ainsi que Nirfouat, Eliaou Machlouf Ben Chana, Ari Akiva Ben Shachar, Shlomo Ben Esther, Rafael Zulun Ben Chayam Aliya, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sekhet Avot. Perek Vav, Mishnah Dalet, Kach Hidarkar Shel Torah, Pat Bamelach Tochel, Omaim Bamesura Tishte. ועל הארץ תישן, וחייצר תחיה, ובתורה אתה עמל. ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. La Mishnah, on va la traduire, et après il va falloir lui donner un sens à cette Mishnah pour comprendre où elle se situe exactement, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner. Ça part un peu dans tous les sens, c'est très, très rigolo même à voir, comment Rachid a pris ça dans un sens. Le Tiferet Israël, il est parti un petit peu moins loin. Et le Midrash Moël, il a pris ça dans tout autre sens. On va faire comme ça. Kafi Darka Shel Torah. Ainsi est le chemin de la Torah. Pat Bamel Artochel. Du pain avec, trempé dans du sel, tu mangeras. Omaim Bamesura Tishte. Et de l'eau avec une petite mesure, tu boiras. Donc tu ne bois pas de l'eau en très grosse quantité, mais en petite mesure. Mesura, c'est une mesure mentionnée dans le chasse de temps en temps. Ve'ala ares tishan, et tu dormiras par terre. Ve'chayet sa'ar tichye, et une vie de misère ou de difficulté, tu vivras. Uva Torah ta'amel, et dans la Torah, tu mettras ton labeur, tu mettras tes forces dedans pour continuer à l'étudier. Ve'imata oseken, et si tu feras ainsi, alors Ashrecha vetovlach, heureux sois-tu, et il sera bien, et tu auras du bien, tu jouiras du bien. Ashrecha baolamazé, heureux sois-tu baolamazé dans ce monde présent, vetovlach laolam haba, et tu jouiras du bien au monde futur, l'olam shekulotov. Voilà la Mishnah telle qu'elle se présente. Maintenant, quel est le message de cette Mishnah? On jette tout par la fenêtre et on va et on commence à manger du pain sec avec trempé dans du sel et on boit de l'eau à petite mesure, on dort par terre et on doit se faire souffrir, se mortifier pour étudier la Torah. Apparemment, c'est le message. Est-ce que la Mishnah est vraiment nous apprendre ça? C'est un peu compliqué, un peu dur, peut-être que oui. Si oui, ben dès demain, on s'y met tous, d'accord? Mais Baruch Hashem, que Rashi a expliqué autrement. Il a expliqué que la Mishnah vient tout simplement nous dire que tel est le chemin de la Torah. C'est un peu compliqué à comprendre qu'est-ce que c'est venu nous dire dans ce cas-là, le tel est le chemin de la Torah, mais en tout cas, le but de la Mishnah nous dit, même si tu es en difficulté financière, au point où tu n'as que du pain sec à manger, avec du pain dans du sel à manger, et de l'eau à petite dose à boire, et tu peux même pas te payer un bon lit, et que tu as que des difficultés, des épreuves, pas toi, mais quelqu'un d'autre, et qu'il n'y a que des épreuves, alors malgré tout, au Batorah Ta'amel, continue à te donner dans la Torah, étudier et approfondir et t'investir dans la Torah. Et alors, quand tu feras ainsi, sache que tu seras le plus heureux des hommes, dans ce monde présent comme dans le monde futur. Apparemment, dans ce monde présent, ça signifie que je ne pense pas que la Mishnah veut nous dire que tu trouveras un plaisir dans les souffrances. C'est un peu difficile à dire, mais plutôt que les portes s'ouvriront à la fin. Je suppose que c'est comme ça. Rashi n'est pas parti jusque-là. Le Tiferet Israël, lui, justement. Alors, le Tiferet Israël, c'est très sympathique ce qu'il nous fait. C'est qu'il a relié cette Mishnah avec la première Mishnah du Perek. On a pris dans le premier Perek toutes les bontés, vertus, réussites que tu jouiras, que tu recevras lorsque tu te donneras la Torah. Alors, donc, on avait appris la base. Zochel Yidvarim Harbe, il reçoit tout. Il a tout le Shefar, Gashmiut, dans le matériel, dans le spirituel, la réussite. Et voilà que monsieur donc, se dit c'est parfait, c'est une bonne affaire de partir étudier la Torah. Il va aller étudier la Torah, il va commencer à partir à suivre des cours assidus en Gemara, et puis d'un coup, tout va tourner au vinaigre. Ça ne va pas réussir, il va avoir moins de parnassa, il va avoir des épreuves par-ci, des épreuves par-là, avec ses enfants, avec... Et alors quoi? Il va commencer à se dire, ah, il a marqué le contraire de la Mishnah. Dans la Mishnah Lev, tu m'as dit que tout allait réussir, je suis parti étudier la Torah et ça se passe mal. La Mishnah d'Alev vient nous dit non, Kahachid al-Kajal Torah, tu crois qu'on va tout donner gratuitement? D'abord, fais tes preuves que tu t'y attaches
reçois une épreuve, et une autre épreuve, et comme si c'était telle épreuve, et telle épreuve, et telle, et tu t'entêtes et tu réussis, et tu continues à être Omel Batora, alors lorsque tu feras ça, la Mishnah continue en nous disant, Veimata Oseken, alors Ashrecha Vetovlach, Ashrecha Baolam Azeh Vetovlach Laolam Haba. D'accord ? Pirouche, franchement, merveilleux, n'est-ce pas ? J'ai apprécié, moi, personnellement, ça donne une allure parfaite. La Mishnah, elle rentre comme ça, de bien, elle s'enchaîne bien. Il y a maintenant, dans le Midrash Shmuel, alors je vous dis, le Midrash Shmuel, c'est un livre qui rallonge énormément. Il rapporte plusieurs interprétations, certaines très jolies. Il y en a une qui m'a particulièrement intéressé, parce qu'elle reste malgré tout au sens simple que la Mishnah semble, au message simple que la Mishnah semble vouloir nous enseigner. C'est-à-dire, si vous faites attention, dans les deux pirouchim que je vous ai, du Rashi et du Tiferet Israël, il y a un petit problème. La Mishnah nous dit, tel est le chemin de la Torah, c'est comme ça qu'on acquiert la Torah. Et finalement, Rashi, comme le Tiferet Israël, ont esquivé la difficulté de la Mishnah, qui venait nous dire justement de vivre une vie plate, austère, quoi, si on peut dire. La Mishnah vient nous dire, ne te laisse pas aller au plaisir, mange juste du pain sec, dors par terre, bois de l'eau à petite dose. Et Rashi et le Tiferet Israël ont esquivé cette interprétation pour en faire autre chose. Le Midrash Shmuel vient et il nous explique, au nom de je ne sais plus qui, c'est dommage que je n'ai pas noté qui était l'auteur de ce pirouche, je pense que c'est pas grave. En tout cas, il vient et il interprète que non, la Mishnah vient réellement nous dire, sache que même lorsque tu as des plaisirs, la Torah ne peut pas se faire acquérir. Je suis celui qu'il est obligé de toujours manger des aliments de bonne qualité, très raffinés, dans le goût, tout ça, ouais. De trop raffinés. Si jamais il est trop avide de ça, alors il se crée des problèmes. Il se crée des problèmes. Alors, d'une part, d'abord, il faut savoir, il y a une Gemara qui nous dit, jusqu'à qu'un homme, il prie pour la Torah qui lui rentre dans ses tripes, qu'il prie plutôt pour la nourriture qui ne lui rentre pas dans ses tripes. Ouais. C'est une Gemara qui nous enseigne qu'en réalité, c'est simple, Rambam, dans l'introduction au Pirouche Mishnayot, il nous dit « Celui qui est trop attiré dans le matériel, le monde matériel et le monde spirituel sont en opposition constante. Soit l'homme a un intérêt pour le spirituel, et donc il va délaisser le matériel, soit il s'investit dans le matériel, dans ce cas-là, il ne peut plus avoir le spirituel. Un contredit l'autre. Binyan Agouf, il contredit le Binyan Neshama. Comme ça, c'est à peu près les mots du Rambam. De ce fait, la Mishnah vient nous dire, sache que si t'es trop avide, sans arrêt, t'es obligé de manger des trucs de bonne qualité, et t'es toujours dérangé par quelque chose qui n'est pas extra, et t'as pas assez mangé, et puis aujourd'hui, tu mets trop ta tête et tes forces à l'intérieur de ça, tu vas pas pouvoir acquérir la Torah. Donc la Mishnah vient nous dire, tel est le chemin de la Torah. À la limite, que tu réussisses un jour même, que ce soit au moins dans tes ambitions d'y arriver un jour, où t'auras aucun problème à manger un petit bout de pain, histoire de te caler un petit peu le ventre, et boire de l'eau à petite dose, et même dormir là où tu as pu dormir, à écart que tu te reprennes, et que, ouais, facilement que tu prennes tout au second degré, et que tu ne prennes au premier degré que la Torah elle-même, et que tu continues à être au Batorah, ta Amel, et lorsque tu feras ça, alors Behemet, Ashrecha Vetovlach, parce que tu as pris tellement de recul sur le Olam Hazeh, que tu seras intéressé que pour la valeur spirituelle du monde, qui est la vraie valeur éternelle, qui bouge pas, elle, que tu pourras, qui elle te donnera satisfaction, et donc tu seras Ashrecha Olam Hazeh, Vetovlach, La Olam Haba, Bezrat Hashem, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.